On arrive à un mois et demi du début de la préparation, 2 mois. Évidemment qu'on fait tous le maximum pour être prêt à ce moment-là. Ce qui est fondamental, c'est vraiment dans cette partie de saison, c'est selon ton classement, évidemment, ça va conditionner beaucoup de ton plaisir. Parce que si t'es dans un club qui est en grande difficulté, le mois d'avril et le mois de mai, c'est pas le plus sympa qui est. Et voilà, donc nous, on a la chance d'avoir un mois d'avril qui s'annonce excitant et on va bien s'y préparer. Ça serait ma troisième Coupe du Monde d'affilée. Voilà, c'est un signe aussi de ma constance au plus haut niveau et j'espère y participer. On sait qu'il joue avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme et de passion. On l'a vu aussi lors de la Coupe du Monde en 2014. On a affronté le Honduras et puis l'Équateur. Ce n'était pas des matchs faciles et voilà, donc c'est un bon test pour nous de jouer face au Panama. C'est un test de grandeur nature qui sera pour le Costa Rica.